Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à créer un bouton sur microserveur. Au préalable, nous avons créé un voyant indiquant l'état de marche de la batterie. Si vous souhaitez le configurer, je vous invite à visionner notre tout premier tutoriel. Sélectionnez donc le widget bouton et indiquez la variable affectée. Ici nous souhaitons créer un bouton d'arrêt d'urgence. Pour un visuel plus esthétique, définissez l'icône et la couleur de votre choix et enregistrez vos paramètres. Bien évidemment, vous pouvez déplacer votre widget pour le mettre en dessous de votre voyant. Et comme vous pouvez le constater, vous obtenez ainsi un bouton efficace et effectif.